Wesh, bien ou quoi? Tranquille ou quoi? Ouais, tranquille. Alors, le Paris Saint-Germain. Ouh là là, Real de Madrid qui vient au Parc des Princes pour se faire littéralement laminer. Vous vous êtes fait laminer. Vous savez comment vous avez joué? Comme une équipe de Ligue 1. Vous savez comment vous avez joué? Avec 11 joueurs dans votre défense. Karim Benzema en tant que gardien. Vinicius Junior en tant que gardien. Oh là là, on vous a fracassé. On a mis combien de tirs? Plus de 20 tirs. Vous avez tiré combien de fois? Seulement que 2 fois. Alors c'est comme ça la grande Maison Blanche? Hein? C'est comme ça? Vous voulez de Kylian Mbappé? Ah, eh ben, vous l'avez eu. Et bien sûr, qu'est-ce qu'il a fait dans la surface de réparation? Quel crime! Quel crime! Quelle heure de criminalité! Oh là là, mais quel joueur de Bondy! Kiki de Bondy, c'est officiel aujourd'hui. T'es le meilleur joueur du monde mondial. Je veux plus entendre parler de Lionel Messi, de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, il a marqué ce soir. Mais c'était pas la Ligue des Champions, hein. Ce n'était pas la Ligue des Champions, mon frère. Messi, il a eu combien de chances de marquer? Il a raté. Il est nul. On ne veut plus de Messi. Nous, ce qu'on veut, c'est Kylian Mbappé Pete. Ben oui, qu'est-ce que tu croyais? Espèce de nulard. Donc, tous les Français qui sont supporters du Real Madrid, je tiens à vous dire que vous êtes vraiment, oh là là, des sous-caca. Oh là là, tous les joueurs qui ont été pour le Real Madrid aujourd'hui, voilà votre punition. La punition de Kylian Mbappé, il est venu tous vous mettre une bonne fessée. Vous criez, vous avez la haine, vous avez mis un billet sur le Real, et ben voilà, tout est perdu. Voilà, c'est pas bien de se manquer de la perte des gens. Je sais qu'il y en a qui ont le seum et qui... J'en ai rien à battre. Eh oui, le Paris Saint-Germain, mon gars. Tu penses que quoi? Nous, on est capable de perdre contre Nantes, Lorient et venir fracasser le Real Madrid. Tu comprends? Nous, on défie toutes les lois de la nature. Eh ouais, on joue avec les sentiments. Tu pensais que quoi? Que le match était terminé? T'allais rentrer en Espagne avec un match nul? Une petite... voilà, c'est pas trop mal. Voilà, on n'est pas chez nous. Voilà. Ferme-la. Hein? Tu la fermes. Hein, Real Madrid? C'est terminé. Tu comprends? Tu viens chez nous, on te fracasse. Jusqu'à la dernière seconde, le match n'est pas terminé. Tu penses que le match est terminé alors qu'on a Kylian Mbappé dans l'équipe? Le roi Neymar vient de rentrer, il fait la talonnade pour les caméras. Il a fait une talonnade pour les caméras. Et oui, Kylian Mbappé, c'est... Il a pris ses responsabilités. Il a dit, donnez-moi le ballon. Neymar lui a fait une passe en mode Joga Bonito. Il a pris, il est parti. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait du n'importe quoi. Franchement, c'était pas humain ce qu'il a fait. Il est arrivé dans la surface. Passement dur, boum, il est passé entre deux joueurs. Il a disparu. Il est apparu devant Courtois. Courtois était allongé. Il a fait passer le ballon sous la terre. Oh, Kylian Mbappé, t'es trop fort! Mec, Karim Benzema, il était où là? Sur le banc, en train de dire, mais voilà les gars, ben voilà, vous lui laissez 30 cm, vous êtes malade ou quoi? C'est le meilleur joueur du monde, c'est le meilleur joueur du monde. Messi, il a raté son pénalty. Pourquoi? Parce qu'il est nul. C'est terminé. Depuis qu'il a enfilé le maillot du Paris Saint-Germain, c'est dur à dire, mais il n'arrive plus à rien faire. Même ses passes, il n'arrive pas à faire. Les contrôles, il n'arrive pas à faire. Nous, tout ce qu'on veut, tout ce qu'on vous dit, c'est Kylian Mbappé. Virez-moi ce Messi. Mettez Neymar au service de Mbappé. Mettez le roi au service du peuple. Mettez le roi au service... Ah! Quel roi? Mais tu crois quoi? Hein? Tu pensais que quoi? Que tu ramenais des Brésiliens, des Argentins? Ben non! Le football vient de Paris! Tu comprends? Le football, tout le football, toute la science du football, ça a été étudié à Bondy. Tu comprends? L'invention, les tactiques, les feintes, les ruses, tout a été créé à Bondy. Et Kylian Mbappé, tout lui a été transmis dans un calepin. Et c'est ça, c'est ce calepin que Kylian Mbappé lit tous les soirs. Tu penses que quoi? Pourquoi c'est un génie? Parce que lui, le foot est cool dans ses veines. Tu pensais que quoi? Qu'il allait rentrer dans la surface, s'asseoir et prendre un café? Il a pas le temps! Tu pensais que quoi? Qu'il allait lui demander son passe sanitaire, Thibaut Courtois? Mais non, qu'est-ce qu'il a fait? Preuve de courtoisie. Je vais pas demander quand même un passe sanitaire à Kylian Mbappé. Je vais m'allonger, il va mettre le ballon entre les jambes. C'est comme ça, les gars. Voilà. Donc, au bout de 20 tirs, moi, je suis fatigué. Hein. Donc, laissez-moi m'allonger. Et voilà, toi, espèce de haineux, jaloux, voilà, mange ton caca, bois ton pipi, vomis, bois ton vomi.
Vive Paris!